à tous. Je vais peut-être les retirer en fin de compte. Ouais, parce que là, ça tremble pas mal. Parce que je crois qu'on va avoir un problème aujourd'hui. C'est trop chaud. Il fait trop chaud. On est... Je sais pas quel jour de janvier. On est jeudi. Jeudi. On est un jeudi au mois de janvier. Le ciel bleu est barré. Il est plus bleu. Il est plus bleu. Il est devenu gris, je sais pas pourquoi. Et il y a un peu de beau temps là-bas, apparemment. Là. Bon, on a trouvé une utilité aux EPI. Enfin, aux gants. Je retourne. Vous voyez, ça c'est le feu du bûcheron. Ça c'est nos saucisses. Pas les nôtres, hein, les saucisses du Lidl. Et on a trouvé une super utilité. Parce qu'on mange beaucoup de sardines, nous, à midi. Et c'est chaud, la boîte de sardines. Et grâce aux gants, spécial débardage, je précise. Bah, spécial pour la semaine. Bah, c'est plus chaud. Ça c'est top, ça fait 10 minutes qu'on se casse le cul à bouffer la boîte. Moi j'ai bouffé la mienne en me cramant les pattes là. Et là maintenant c'est chaud. Ça c'est fort par contre. C'est fort. Bon, on attend qu'il mange sa boîte de sardines. Et après je vous montre. On va prendre la fumée dans la gueule. Ouais, ben là il s'est mis en face de la fumée. Mais au moins il fait chaud. Ah ouais. On est passé de moins 10 à 10 degrés. Ouais, c'était gelé ce matin et là. On a un bon feu. Nouvelle astuce. Les gants mouillés, les sardines les font chucher. Il y en a encore en stock, ça. Ok, on en rachète après. Waouh, c'est cool. Vous avez vu? Je vais vous montrer quelque chose. Attendez, je vous retourne. Là. Forestman, il va lancer la guerre à la boulangerie. Parce que là, c'est plus possible. Là, je vais me plaindre. Faut que j'y pèse. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un truc qui va pas dans cette boulangerie là. C'est la seule sur la route, c'est ça le problème. Donc on crée nos propres baguettes. Ça, c'est une baguette ça. Alors, ça se voit pas à la caméra parce que la caméra grossit, mais vous allez voir après, vous allez me comprendre. Ça, c'est pas une baguette de bûcheron ça. Le bûcheron il meurt avec ça. Il en faut au moins deux. Alors j'étais dans une boulangerie hier, c'était une mamie qui fait le pain. Bah, la baguette elle est 4 fois cette taille là. Ça, c'est plutôt une ficelle, mais eux, ils vendent ça pour une baguette. Alors, je vais quand même la peser, parce que c'est minimum 250 grammes. Et j'en ai pris 3 exprès. On va voir. J'ai un doute des 250 grammes. Ça veut dire que 4, ça fera 1 kilo. On n'est pas au kilo, là. J'y crois pas vraiment. 200 grammes avec les 3, c'est pas bon. Ouais, je crois, ouais. On a une super balance numérique. On va voir ce que ça donne. Donc, je retourne encore une fois. Putain, la nounion celle-là en plus. Putain, incroyable. Elle avait une sacrée cloque. Hein. Tu sais ce qui nous manque? Non. Des oignons. Des oignons, j'avoue. Des oignons qui à la poêle. Oh ouais. Là, avec du beurre. Pour prendre du beurre. Bon, alors, un bûcheron, il faut au moins une baguette. Hein. Alors, je sais même pas si j'arrive à mettre ma saucisse là-dedans. Il y a un problème quand même. On a peut-être un peu trop fait cuire. Oh non. Non, non, ça va, ça passe. Oh non, ça va. Là. Oh la vache. Ça, c'est un beau sandwich. La saucisse catalane. Ah putain. Si j'ai tout fait. Chose importante, le ketchup. C'est de la Heinz. Oh ouais, voilà, t'aimes le ketchup. Oui, j'aime le ketchup. J'aime le ketchup, ça va humidifier le pain. Parce que la saucisse, elle est un peu trop cuite.
Donc du coup, bah... Oh, vache. Oh, si, maman. C'est bon. Sacrée baguette de sorcier, hein. Sinon, bon appétit, hein. Bon appétit à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner, hein. Lâchez un like et partagez. Salut.